parti pour le bac à session 2014. Plus de 59 000 candidats sont à l'assaut du premier diplôme universitaire. Les épreuves donc ont commencé ce matin même. L'État va injecter plus de 25 milliards pour accompagner les producteurs au cours de cette campagne agricole. L'annonce a été faite ce matin par le ministre en charge de l'agriculture. Et puis l'Espagne abdigue à l'image de son roi. La Rora a été éliminée de la Coupe du Monde suite à sa défaite 2-0 face au Chili. Élimination également des Lions indomptables apprivoisés par la Croatie. Score final 4-0. Voilà qui fait la une de ce 13h15. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Jour J pour les élèves de la terminale et les candidats libres au bac. Ils étaient ce matin face aux premières épreuves. Cette année, ce sont plus de 59 000 candidats qui essaieront de décrocher le précieux sésame. Comment s'est déroulée cette première journée de composition? Les candidats sont-ils confiants? La réponse avec Claudine Bikaba. Nous sommes au lycée technique de Ouagadougou LTO. À 6h30, les candidats en quête du premier diplôme universitaire sont déjà dans les salles. Ici, on écoute la lecture du règlement intérieur, d'autres continuent leur révision. On constate aussi l'impatience, l'anxiété chez certains et d'autres sont sereins et estiment que c'est un ouf de soulagement d'être enfin face à l'épreuve. Plein, mais il y a la peur aussi qui est là, comme le bac F3, bon. C'est pas facile. On est là pour la troisième fois. On prie Dieu. Espérons que ça va aller. Oui, je me sens prêt pour les examens. Donc, durant toute l'année, bon, on a bossé. Donc, j'étais confiant. Et nous attendons les chiffres pour bien débuter. Je sens la peur. Et j'espère que quand on va vouloir commencer, tout ira bien. Je me sens très bien, la confiance y est. Bon, grâce à Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Je suis content parce que c'est que les épreuves, là, si ça se passe bien, à la fin, on aura un bon résultat. Nous sommes à Marie Curie à 7h15. Quand surveillant et membre du jury s'active pour être prêt à 7h30, heure du démarrage des épreuves, mais avant, des conseils sont prodigués par le président du jury. Enfin, l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet, première épreuve pour ces candidats de la série D, c'est le français avec 3 sujets au choix, une dissertation, un résumé suivi de discussions, un commentaire composé. Ils sont dans l'examen. Et le président du jury rassure quant au bon déroulement de l'examen. Nous n'avons pas encore croisé un problème. Bon, c'est des petits problèmes mineurs comme remplacer une ampoule dans telle salle ou dans telle autre salle. Bon, sinon le reste, les surveillants sont là, les correcteurs commencent à venir et le secrétariat est complet. Donc les cantines sont là, tout y est. Ces candidats doivent impérativement franchir cette étape pour prétendre poursuivre des études supérieures. Les candidats au certificat de qualification professionnelle, eux, ont commencé leur examen depuis le 17 juin dernier. Le ministre en charge de la formation professionnelle, Émile Diala, s'est rendu ce matin dans un centre de composition. Objectif, encourager les candidats et s'assurer du bon déroulement de l'examen. Le reportage est de Abdul Rasmane Zongo. En marge des examens du baccalauréat session 2014, se déroulent simultanément les examens du certificat de qualification professionnelle CQP. Le ministre des tutelles, tout en rappelant l'importance de la formation professionnelle, est allé encourager certains candidats de Ouagadougou, un centre qui accueille près de 1300 candidats sur un total de 4000 candidats au plan national, soit un taux d'accroissement de 12% comparé à l'année 2013. On va à l'école, on sort de l'enseignement général, on ne sait pas toujours faire quelque chose de nos 10 doigts.
Et c'est là où la formation professionnelle peut accroître l'employabilité de notre jeunesse. Et c'est le gros nombre. Et c'est ça qui va pousser notre économie. La fonction publique ne peut pas tout absorber en matière d'emploi. Notre économie n'est pas compétitive pour créer le nombre d'emplois souhaités. Et c'est en cela que la formation professionnelle devient vraiment un poumon même d'accompagnement de notre jeunesse en matière de renforcement de leur capacité de s'auto-employer. C'est ça qui explique notre présence ici. Avant le début des épreuves de ce jeudi, les candidats entendants et non-entendants dans les métiers de coupe-couture et électricité-bâtiment s'expriment. Je suis sûr que le CQP est un bon examen qui nous permettra de faire notre avenir. Voilà. Et présentement, bon, je suis un peu stressé, mais je suis sûr que ça ira. Je me suis bien préparé pour l'examen. Bon, actuellement, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les sujets sont favorables. Elle dit que bon, elle a choisi de faire l'électricité parce que ça la plaît. Et que c'est vrai qu'elle est malentendante, elle est sourde, mais cela ne l'empêche pas de travailler. Cela ne l'empêche pas en tout cas de construire sa vie autour de cela. Les examens du certificat de qualification professionnelle débutés ce 17 juin s'achèvent une semaine plus tard. En attendant qu'entrent en liste les 292 candidats, cette fois-ci au brevet de qualification professionnelle BQP, pour la session 2014 qui se déroulera du 8 au 12 juillet prochain. Voilà, c'est communiqué donc avant de poursuivre. Le président du FASO, Blaise Compaoré, se rend à Rabat au Maroc du 19 au 22 juin 2014 pour prendre part à la 25e session annuelle du Forum de Cran Montana. Il est prévu à cette occasion l'organisation de rencontres entre hommes d'affaires marocains et chefs d'entreprise burkinabè porteurs de projets d'investissement. Les secteurs d'activité concernés sont l'agroalimentaire, le BTP, l'immobilier, les TIC, la finance, le tourisme et l'hôtellerie. Le Burkina Faso saisira l'opportunité de cette rencontre pour renforcer sa visibilité internationale à travers les différentes sessions organisées auxquelles il participera et son point de vue sera pris en compte dans le rapport final du forum. Fondé en 1989, le forum Cran Montana est un grand rendez-vous de l'économie et des finances des personnalités de premier plan de la politique, de l'économie, des finances, des organisations internationales et régionales. Il a lieu en juin de chaque année. Ce forum est unique et est une opportunité pour les chefs d'État et les décideurs du monde économique de nouer des partenariats. C'est signé donc le directeur de la communication de la présidence du FASO, El Hadj Ibrahima Sakandé. Suite donc de ce journal avec justement la coopération entre le Maroc et le Burkina Faso, comment vit la communauté burkinabè résidant au royaume chérifien, quel est l'état des relations diplomatiques entre les deux pays, la réponse avec Saratou Cissé et Salinana. Rabat, cette rue Al-Boussini Akdal, dans cette avenue de la capitale politique du Maroc, est située l'ambassade du Burkina Faso. La représentation diplomatique du Burkina au royaume chérifien compte une dizaine d'agents burkinabais et marocains avec à sa tête l'ambassadeur dont la juridiction ne couvre que le Maroc. Nous avons ici beaucoup de travail, notamment en ce qui concerne le volet des échanges entre les deux pays. Je voudrais m'arrêter spécialement sur le volet de la formation. Et nous recevons beaucoup d'étudiants burkinabés au Maroc. Ils viennent tantôt boursiers et de plus en plus envoyés par leur famille. Leur nombre, je ne peux vous le donner de façon très précise parce que ce n'est pas tous qui sont enregistrés à l'ambassade, puisque l'enregistrement à l'ambassade est volontaire, surtout en ce qui concerne ce que les familles envoient. Mais je pense que globalement, on n'est pas loin du millier. Les relations de coopération diplomatique entre le Burkina Faso et le Maroc sont vieilles de près d'un demi-siècle. Depuis 1969, le Maroc et le Burkina Faso ont su instaurer une tradition de dialogue et de concertation.
nous avons des échanges dans quasiment tous les domaines. Comme vous le savez, les opérateurs économiques marocains, à travers des capitaux dans différents domaines, sont très présents au Burkina Faso, que ce soit dans le secteur de la banque, des assurances, du transport avec la RAM, de télécommunications avec Maroc Télécom, etc. Je pense que le Royaume du Maroc est suffisamment présent au Burkina Faso et la densité de nos relations indique le dynamisme de notre coopération. Des opérateurs économiques burkinabés sont installés au Maroc et contribuent ainsi à l'essor de l'économie marocaine. Signe que dans le domaine commercial, le volume des échanges entre les deux pays est de plus en plus croissant. En plus des milliers d'étudiants, le Maroc compte une communauté burkinabé de plus de 40 personnes. D'un côté, il y a les travailleurs en situation régulière constitués d'anciens étudiants embauchés par des sociétés marocaines ou par leur propre compte ont créé une activité. Et de l'autre côté, les immigrants illégaux venus du Sahara. Sa Majesté Mohamed VI a décidé de régulariser la situation des immigrés sur le territoire marocain. Nous avons des compatriotes qui ont déposé des dossiers dans ce sens et je suis satisfait de constater qu'aujourd'hui, plus d'une dizaine d'entre eux ont régularisé leur situation. Le Royaume du Maroc est une monarchie constitutionnelle proclamée en décembre 1962 par le roi Hassan II. Le Burkina Faso, pour sa part, soutient le principe de l'intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le président de l'Assemblée nationale à Sungalo, Apollinaire Ouattara, a reçu hier en audience deux diplomates. Les échanges entre le chargé d'affaires du Grand Duché du Luxembourg, l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso et le président du Parlement burkinabé ont porté sur la coopération parlementaire, mais aussi sur des aspects concernant d'autres domaines de développement. Des précisions avec Sylvain Vibamba. Même si les deux diplomates ont été reçus ensemble par le président de l'Assemblée nationale, chacun d'eux était porteur de messages propres à lui. Pour le diplomate luxembourgeois, ce sont les bases d'une future collaboration entre le Parlement du Grand-Duché du Luxembourg et l'Assemblée nationale burkinabé qui se mettent ainsi en place. C'est une dynamique qui reprend, qui était peut-être un peu dormante ces dernières années. Et l'objectif des échanges aujourd'hui, c'était vraiment de recevoir de Monsieur le Président le souhait qu'il va faire suivre de façon dans d'une autre procédure. Intensifier les relations directes entre le Parlement, l'Assemblée nationale donc, du Burkina et la Chambre des députés luxembourgeoise. En plus des relations entre les parlementaires belges et burkinabés, l'ambassadeur de Belgique a évoqué les possibilités de coopération avec des députés européens regroupés au sein d'une association. Nous avons échangé essentiellement sur les relations entre le Parlement burkinabé, le Parlement belge, mais également entre le Parlement burkinabé et une éventuelle coopération avec l'association ouest-européenne pour les parlementaires de l'Afrique, ça s'appelle AWEPA, qui s'intéresse, mais aussi qui offre des formes de coopération avec des parlements nationaux de 17 pays en Afrique. Autant d'opportunités qui visent le renforcement de la diplomatie parlementaire. Les mesures prises par le gouvernement pour soutenir les producteurs au cours de la campagne agricole 2014-2015 coûteront plus de 25 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin lors du point de presse du gouvernement. Le ministre Mahama Zungrana a également fait le bilan de la campagne agricole de saison sèche et donné les perspectives pour la présente campagne. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré, s'est quant à lui exprimé sur le rapport d'autopsie de la mort du juge Salifou Neubier. Il a aussi parlé du rapatriement des militaires burkinabés du Mali. Le point avec Moumouni Soubeiga. Pour la campagne agricole 2014-2015, 5 700 000 tonnes de céréales sont prévues.
placée sous le signe du renforcement de l'investissement dans l'agriculture familiale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina, l'État prévoit une enveloppe de 25 milliards pour accompagner les producteurs, selon le ministre de l'Agriculture. La mise à disposition des producteurs de semences de base, donc environ 183 tonnes de semences de base ont été mises à la disposition des producteurs. Les semences de base, c'est bien sûr ce qui permet de produire la semence améliorée. La semence de base, c'est produit au niveau du Linéra et c'est avec ça qu'on peut obtenir la semence améliorée. Alors donc, 12 000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées aux producteurs. 27 900 tonnes d'engrais minéraux, notamment l'urée et puis le NPK, ont été disponibilisées. Et dans le cadre de l'opération 100 000 charrues, 24 700 équipements agricoles sont en train d'être mis à la disposition des producteurs. En plus de ça, il y a environ 11 700 animaux de trait, parce que les charrues, il faut des animaux pour pouvoir les tracter. Et toutes ces mesures d'accompagnement coûtent au budget de l'État environ 25 milliards. Quant à l'installation de cette campagne, on note une disparité avec à l'affiche un taux de réalisation des semis de l'ordre de 25% à la date du 10 juin selon le ministre de l'Agriculture. Pour le bon déroulement de cette campagne, le premier responsable de l'agriculture a dévoilé une batterie de mesures prévues par son département. Pour parler à d'éventuels postes de sécheresse, parce que cette campagne, on l'annonce comme une campagne qui risque d'être déficitaire en termes de volume d'eau tombée, mais le volume d'eau tombée, ça n'a rien à voir avec la répartition spatio-temporelle, donc il faut que je précise ça. Ce qui fait que nous sommes obligés quand même de prévoir un certain nombre de dispositions pour gérer les éventuels postes de sécheresse. C'est pour ça que nous avons acquis environ 45 brigades mobiles d'irrigation de complément des tubes PVC au nombre de 17 000 et tout ça évalué à environ 400 millions pour pouvoir sécuriser les productions en saison pluvieuse. Au titre des mesures sociales prises par le gouvernement, le ministre Zungrana fait ressortir un bilan satisfaisant quant à sa mise en œuvre. En perspective, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a annoncé l'avènement de plusieurs projets de programme à mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire. À ce point de presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a été interpellé par les journalistes sur le rapport de l'autopsie du juge Débié et le rapatriement de certains militaires burkinabés du Mali pour inconduite. Le principe de la séparation des pouvoirs veut que nous ne puissions même pas interférer sur un dossier de justice. Et c'est le cas. Donc nous, aujourd'hui, je n'ai pas vu de rapport d'autopsie. On n'a pas été saisi des rapports d'autopsie. Le dossier à la justice, nous, on s'en tient à ce que la justice est faite. Ce sont des militaires dans le cadre d'un corps qui a sa discipline, qui a ses règles, qui a ses exigences. Et je suis persuadé que le commandement va apprécier l'acte posé et prendre les dispositions qui s'y a en la matière. C'est un nouveau programme qui entend mettre l'accent sur le développement des petites exploitations agricoles pour garantir la sécurité alimentaire. Le programme POA, initié par la coopération allemande, a été présenté ce 17 juin au cours d'un atelier. Des détails avec Ousmane Drabo et Zalissa Sanfo. Faire de la petite agriculture une source de la sécurité alimentaire, c'est l'objectif principal de l'ONG Welschenhungerhilfe. Avec son projet dénommé « Créer une volonté citoyenne et politique de l'APD agricole en Allemagne », il entend souffler une nouvelle dynamique au secteur agricole du Burkina Faso. En fait, il s'agit d'un projet de plaidoyer en faveur de la petite agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout dans les pays pauvres comme le nôtre. Donc c'est un projet de plaidoyer. Au finish, on va formuler un argumentaire qui sera soumis au gouvernement allemand qui organise le G8 prochain en 2015 en Allemagne. Ce que nous espérons, c'est naturellement un engagement du G8 en faveur de la petite agriculture. Donc cela va se traduire concrètement et par certainement une augmentation des financements à destination de la petite agriculture et des engagements politiques, naturellement.
Cet atelier va permettre de capitaliser les bonnes pratiques agricoles. Il s'agit essentiellement du warage et de l'utilisation des fertilisants éco-sains. Il est aussi attendu de cette rencontre la production d'un document final sur les bons usages susceptible de soutenir le plaidoyer de l'Allemagne en faveur des petits exploitants au Burkina Faso. Les techniques de négociation et les exigences du commerce extérieur ont été enseignées aux exportateurs burkinabés à travers cette session de renforcement de capacité. L'APEX, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, veut donner aux opérateurs économiques les moyens nécessaires de faire face à la concurrence. Le point avec Bachirou Doussa et Zalissa Sanfo. Au Burkina Faso, les informations sur les outils réglementaires et juridiques du commerce des produits sont souvent difficiles à obtenir pour les opérateurs économiques, en particulier quand il s'agit des organisations paysannes. C'est pour répondre à ce besoin que l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina APEX a initié le présent atelier. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportateurs adoptée en juillet 2011 par le gouvernement burkinabé. Il s'agit donc d'une session de formation qui s'étale sur une demi-journée, j'allais dire, mais qui sera évidemment donc axée essentiellement sur les contrats. Parce que vous savez, lorsque vous partez sur le marché international, il est bon que dans le cadre des contrats que vous allez négocier avec vos partenaires, que vous puissiez évidemment donc tirer le meilleur parti de ces contrats. Donc, il y a les acteurs donc, de la filière mangue, il y a ceux qui travaillent dans le domaine donc, du beurre, du karité, il y a la filière sésame, il y a la filière oignon, il y a aussi la filière bêta-viande et les cuirs et peaux. Donc, c'est les 6 catégories donc, de filières qui sont retenues par la SNE, mais il n'y a pas que cela, puisqu'il y a des acteurs donc, qui travaillent dans le domaine, par exemple, de la noix de cajou, qui sont également concernés, et bien d'autres filières, bien sûr, qui sont à potentiel, donc qui ont un bon potentiel en termes d'exportation. Et des difficultés, il n'en manque pas pour ces exportateurs qui saluent déjà l'initiative. Les difficultés sont que vraiment, on n'arrive pas à percer le marché. C'est un peu compliqué. Vraiment, c'est pour demander si on pouvait vraiment nous appuyer, puis nous chercher, nous trouver du marché, puis nous accompagner. Chaque fois, comme ce que l'APEX vient de faire, vraiment, ça va nous être utile. À terme, les techniques de négociation, de contractualisation et les procédures à l'exportation ne devront plus être un secret pour ces exportateurs. Une autre session de formation, mais cette fois-ci, ce sont les responsables des services financiers des pays de l'UEMOA qui sont concernés. Le PNUD est l'initiateur de cette session qui vise à améliorer l'efficacité de ces financiers à travers une formation en ligne. Le point avec Abdulrasmane Zongo. En initiant cette formation en ligne, l'UEMOA et le PNUD entendent renforcer les capacités de gestion des cadres des institutions chargé des finances publiques des pays de l'UEMOA. La formation, c'est pour l'initiation aux techniques, aux principes de la formation en ligne, du e-learning, et puis après pour apprendre aux participants de manipuler la plateforme. Alors tout ça, c'est pour le transfert des compétences, pour les amener à être les porteurs du projet de formation en ligne ou d'intégration de la formation en ligne dans leur cursus et dans leur programme de formation. Cette formation œuvre pour la bonne gouvernance des finances publiques des États de l'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, de par son traité, a pour vocation d'harmoniser un certain nombre de législations. Parmi ces législations figure celle des finances publiques, parce que constituant un support fondamental dans le cadre de ce que nous appelons l'exercice de la surveillance multilatérale. L'essentiel des critères de convergence auxquels sont obligés les États membres repose sur les finances publiques. Cet atelier sera une occasion également pour l'ENAREF de paraffer une convention de partenariat avec Pôle, la structure du PNUD chargée de la formation en ligne.
Le ministère de la Communication organise ce soir la cérémonie de lancement du compte à rebours de la transition vers la télévision numérique de terre, TNT. Cela signifie que dans un avenir proche, les chaînes de télévision burkinabè passeront de l'analogique vers le numérique. Cette transition n'est pas toujours bien comprise par les populations. Quels sont donc ses enjeux et ses implications? La réponse avec la directrice générale de la Société burkinabè de télédiffusion. La Société burkinabè de télédiffusion, c'est une nouvelle société qui a été créée dans le cadre du processus de transition de l'analogique vers le numérique, qui sera chargée, donc, selon la loi qui a été votée en mai 2013, de diffuser les programmes des différentes télévisions, que ce soit public ou privé. C'est pour marquer qu'il nous reste qu'un an pour achever ce processus. Et donc ce soir, on pourra faire le point sur l'état de mise en œuvre donc, de l'ensemble du processus au Burkina Faso. Les conséquences pour la population, c'est que en juin 2015, les gens, quand on va commencer à émettre en numérique, avec les téléviseurs actuels, les ménages auront besoin des adaptateurs pour pouvoir lire les signaux numériques. Donc ça sera premièrement d'acquérir un adaptateur numérique pour pouvoir lire donc, les signaux numériques. Avec leur téléviseur actuel, on n'est pas forcément obligé de changer de téléviseur avec un adaptateur qui serait disponible sur le marché et qui sera également subventionné par l'État pour que le prix soit réduit et accessible à l'ensemble de la population. Avec le passage au numérique, déjà, on aura une meilleure qualité d'image et de son. On aura également plusieurs chaînes de télé qui seront mises à disposition des populations. Ce sera des chaînes gratuites et ce premier multiplex qui sera mis en place aura une capacité de 15 chaînes, dont 10 chaînes de portée nationale et 5 chaînes de portée régionale. Place au foot à présent. Fin du mondial pour les Lions indomptables, battus 4-0 par la Croatie. Élimination également de l'Espagne, championne du monde en titre. Les Espagnols sont tombés 2-0 face au Chili. Qualification par contre des Pays-Bas qui se sont imposés 3-2 face à l'Australie. Le résumé de ces matchs vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Et pour commenter les matchs de ce soir, un invité spécial, il s'agit de Yao Martial, ancien international ivoirien et ancien entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Yacouba Ouédraogo l'a rencontré et voici son reportage. Je pensais que les Ivoiriens peuvent obtenir leur ticket dès ce soir. Je crois que oui, j'ai regardé un peu le match de la Colombie contre la Grèce. C'est vrai, un match ne ressemble pas à un autre, mais voyant la détermination de l'équipe ivoirienne, je suis certain que ce groupe fera un bon plaisir aux Ivoiriens. Et c'est pas que je crois que la Côte d'Ivoire va gagner. Pour moi, la Côte d'Ivoire se doit de gagner ce match pour donner l'espoir à toute l'Afrique. Cela n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend au plateau d'avant-match de ce soir sur la RTB. Et vous aurez peut-être reconnu le visage ou pas, mais c'est bien l'Ivoirien Martial Yeo, affectueusement appelé Yeo Martial, qui est l'invité du plateau spécial mondial 2014 de ce jour. On était riche. Une sommité du football, avec des hauts faits comme directeur technique national de la Fédération Ivoirienne de football, coach de l'Africa Sport d'Abidjan et l'actuel instructeur FIFA et CAF n'est que de retour au bercail. Je pense que on pourrait dire de moi bienvenue chez toi parce que j'ai grandi au Burkina, j'ai fait ma toute petite enfance au Burkina, j'ai quitté le Burkina quand j'avais 19 ans et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et mes parents sont rentrés dans les années 60, mais moi j'ai rentré en 6e. Donc, je suis resté, j'ai fait tout mon collège. J'ai fait l'école primaire d'Amdalaï, Amdalaï privé. Et puis le CM1 et le CM2, j'ai fait à Tounouma. C'est ce qui m'a, après l'entrée en 6e, m'a fait entrer au collège de Tounouma, dans lequel je suis resté jusqu'en première. Et puis après, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Mais pendant que j'étais au collège de Tounouma, à travers les championnats scolaires,
L'âge fonctionnaire m'a découvert en 62. Que du temps passé. Ce soir, c'est en consultant que Martial Yeo, fréquent au Burkina, retrouve la terre qu'il a vue grandir. Je suis heureux d'être revenu sur mes pas, là où j'ai fait mon enfance, là où j'ai commencé à taper dans le ballon pour parler du football à travers les médias de ce pays qui m'a permis de réussir ce que j'ai réussi aujourd'hui. Restez donc scotché sur la RTB pour vivre à l'instant les matchs de ce jour avec les analyses de Yeo Martial. Voilà, et le programme 2 ce soir prévoit à 16h la Côte d'Ivoire face à la Colombie, à 19h l'Uruguay contre l'Angleterre et à 22h le Japon essaiera de se donner une chance de qualification face à la Grèce. C'est tout donc pour cette édition. Merci de votre fidélité. Bon après-midi et restez en compagnie de nos programmes.